Vous avez encore 5 minutes ? On a une salle particulière ce soir, parce que ce soir, on a réussi deux invités de marque. C'est-à-dire que ce soir, on a ici présent un chien d'aveugle qui n'a pas d'aveugle. Il est relié à quelqu'un de pas aveugle. Et ici présent, nous avons une aveugle qui n'a pas de chien. Il n'est pas relié à quelqu'un de chien. C'est vraiment... Et ma théorie à moi, c'est que ça fait des plombes qui se cherchent l'un l'autre. Le chien, il est là, elle est par là, c'est sûr, et l'autre est là. Et ce soir, hasard du calendrier, il se trouve... C'est le Tinder des clébards et aveugles. Cette semaine, j'aimerais juste rendre un hommage, si vous le voulez bien, à un duo qui a marqué notre génération, évidemment, comme souvent les duos comiques le font. Hein, on pense évidemment à Eric et Ramzy, on pense à Omar et Fred, Ellie et Dieudonné. Et cette semaine, c'est Kanye West et Donald Trump qui se séparent. Ouais, oh là là, ça fait un truc hein, quand même. Donald Trump, donc, qui s'est fait larguer comme une merde sur Twitter par Kanye West devant ses 30 millions d'abonnés. Il a fait un tweet comme ça, il a largué 30 millions d'abonnés. C'est-à-dire, grosso modo, à partir du moment où tu largues le mec, tout le monde entier est au courant. C'est comme si tu te faisais larguer par ta femme et elle envoie un texto à tout son répertoire et que toute la journée t'as des textos des copines qui font bah alors, on s'est fait larguer comme une merde. Et en plus, il paraît qu'on pue des pieds. Je sais pas si vous avez vu le tweet là, mais il a dit j'ai l'impression d'avoir été utilisé. Non. Mais non, je pense pas, hein. C'était tout à fait équitable comme échange, enfin. Tu l'as aidé, t'as été 30 millions de followers, à qui t'as fait une publicité sans relâche pour lui pendant toute la présidentielle, et en même temps, lui en face, il t'a quand même donné une casquette, quoi, enfin... Ça vaut largement une casquette rouge avec le slogan « Gratos !» Attends, évidemment que tu t'es fait baiser, évidemment. Évidemment. Ce qui est surprenant, c'est quand même qu'il ait mis un an à s'en rendre compte, quoi. C'est-à-dire, c'est Donald Trump, quoi. En termes de subtilité, tu vois. Tu le vois quand il baise les gens. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il va attraper les femmes par la chatte, donc... C'est lui qui l'a dit. Ce que je veux dire, c'est juste Donald Trump, tu lui serres la main, tu te dis quand même « Est-ce que je mettrais pas une capote ?» Tu vois. J'ai pas peur d'attraper de maladie en ce moment, parce que je sais qu'on va tous mourir. Puisque cette semaine, c'est officiel, c'est la fin du monde. Et je le dis avec le sourire, parce qu'il y a WWF qui a sorti un article, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, il y a 60% des animaux sauvages qui ont disparu de la surface de la Terre. Et enfin, quand je dis disparu, ils sont morts, hein. C'est pas genre ils jouent à cache-cache. Et nous, on est là, ben ils sont où les lapins? Ben ils sont où? Ben alors? Avec Léon, le caméléon, qui est planqué sur les mêmes branches depuis 60 ans. Alors, ils sont vraiment décédés et c'est de la faute de l'humain. Voilà, c'est de notre faute à nous. Ah ouais, donc c'est triste, hein, c'est le moment où il faut se réveiller un petit peu, quoi, tu vois. Faudra arrêter le plastique, faudra arrêter les gaz à effet de serre. Et il faut évidemment prendre soin de la forêt amazonienne qui est quand même le poumon de la planète. Et je pense que tout le monde en a bien conscience, évidemment, puisque là, cette semaine au Brésil, ils ont élu un nouveau président. Jair Bolsonaro. Tout le monde voit qui c'est ou pas? C'est non. Le Donald Trump tropical, là, tu sais. J'en avais parlé il y a quelques semaines, c'est ma tropical, tu vois. Faut tuer les PD, faut brûler la planète. Au niveau de l'écologie, l'ennemi public numéro 1. Et on vient de lui donner la responsabilité de la forêt amazonienne. Je pense que c'est un excellent choix. Vraiment, c'est Marc Dutroux au ministère de l'Éducation nationale. Pile ce qu'il fallait. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un bateau et qu'il y a un iceberg en face. Et il faudrait qu'on vote pour quelqu'un qui est capable de dévier le bateau. Mais nous, on vote pour des mecs qui font « Hey, moitié prix sur les coca à la buvette !» Voilà. On est capable que de ça. Il se défend évidemment en disant bah non mais c'est juste pour l'économie du pays. Et je comprends bien l'économie du pays. Mais juste s'il y a plus de planète, bah il y a plus de pays, quoi, tu vois. Et c'est là que c'est stratégique, puisque Bolsonaro te répondrait oui, mais s'il y a plus de planète, et bah il y a plus de PD. Et internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez-vous.